Le Québec a été plutôt gâté la semaine passée alors qu'on a eu droit à des températures nettement au-dessus des normales saisonnières ainsi que du temps particulièrement agréable. Un scénario bien différent qui se présente pour la semaine prochaine alors que ce sera plutôt la grisaille qui va dominer avec, entre autres, des températures sous les normales saisonnières. Donc si on regarde cette semaine, la douceur, elle était due à une crête qui s'est invitée sur la province et a vraiment repoussé le courant geste sur les secteurs du nord. Résultat, on évitait les précipitations et c'est le beau temps qui a dominé. Par contre, dès le début de la semaine prochaine, c'est une masse d'air un peu plus froide qui descend sur le Québec, un creux. Et avec ça, le courant jet se trouve poussé sur les secteurs un peu plus au sud. Résultat, on se trouve dans le corridor des précipitations et les systèmes risquent de se succéder sur la province. Déjà, dès lundi, on surveille un premier système qui pourrait s'étirer jusqu'à mercredi et pourrait laisser pour certains secteurs là, jusqu'à 30 mm de précipitations. Un second système sera surveillé par la suite pour le week-end prochain. Mais au final, ce sera une semaine de grisaille qui nous attend.